Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Go et Café. Donc euh, aujourd'hui, on affronte un joueur premier Dan sur KGS. On est noir et il a blanc avec 6,5 de commis. On commence par un Jushi tranquillement. Media nice game. Lui aussi. Hop, et il joue Komoku en bas à droite. Ok. On va jouer également Komoku. On va essayer de repartir là, ces dernières parties. Je disais souvent que je faisais deux oshi. Je vais retourner vers le style que j'aime bien c'est faire euh, un oshi et un komoku. J'aime bien jouer un peu équilibré. Et lui, il fait deux komoku opposés. Ok. Donc euh, ça dit quand même que ce bord est très intéressant, même si c'est dans la sphère d'influence euh, blanche. Mais c'est le bord le plus large, comme il a joué deux komoku opposés. Donc là, les deux bords les plus intéressants immédiatement, c'est le bord sud et le bord nord. On va... Hmm. on va approcher de ce côté ou de ce côté. Hein. Euh, Qu'est-ce qu'on fait Comme ici, on a joué en troisième ligne de ce côté. Si on approche, en fait, il pourra développer rapidement de ce, ce bord-là. Alors que là, on a joué influence. Donc on est un peu plus libre dans nos actions, je trouve. Donc on va approcher du côté droit, tout simplement. Et en quatrième ligne pour être cohérent avec notre Q16. Bon, en soi, c'est pas mon fort la direction, mais j'essaye d'être cohérent avec mes pierres déjà. Mais en soi, moi, c'est oui, c'est j'ai d'autres points forts, on va dire, mais ça, c'est pas euh, c'est pas ma première qualité. Là, normalement, le jeu c'est qui le plus classique, c'est virer en P3, mais il le fait pas. D'accord, ok. Donc ici, il fait ça. J'ai pas mal de choix. On peut sortir, on peut aller dans le coin. On peut venir en O5, qui est un ancien Joseki. Où on va en O5, il vient comme ça, on approche le coin, il protège, on recule, il protège sa coupe, soit en étant agressif avec S2, soit en protégeant non, avec une gueule de tigre. Et nous, on couvre en M4. Et lui, il vend L3, etc. Euh, hmm. Donc il y a ce choix-là. Mais on peut également décider d'aller directement dans le coin. Tac. Et là, il, il aurait sûrement envie de déclencher le Joseki qui était assez connu avant où il va en Q3, je vais en Q4, il recule et je vais en O3. Sauf que maintenant il y a des nouvelles variations dans ça, je les ai revues il y a 2-3 semaines, on va voir si je m'en souviens. Donc ça me donne envie de jouer ça forcément. Je sais que maintenant les... Il y a des nouvelles variations qui sont plus optimales pour euh, Noir notamment. J'espère que je vais m'en souvenir. Normalement ça devrait aller. Petit à petit. Ah bon, bah, il refuse, il veut revenir sur l'autre Joseki où je recule, il va protéger d'une manière ou d'une autre, je vais sauter, il va protéger et, et je vais revenir en M4. C'est marrant parce qu'avec une pince comme ça, je pense que la plupart des fois, même quasiment à chaque fois depuis un an, quand je, quand je, me, fais, je me fais pincer comme ça, c'est pour faire le Q3 derrière. Mais pourquoi pas en soi Ici, il joue une pierre de 3 ligne, il est bien orienté. Euh avec sa pierre en C4, à voir comment il développe. Donc il protège, d'accord Avec cette... Euh, oui, dans ce sens-là, on a plus envie de faire la gueule de tigre plutôt euh, que tout à l'heure, quand je disais, euh, si je recule, qu'il reculait et que j'approchais, il avait le choix un peu plus, mais il avait une pierre d'aide déjà en, en Q6. Là, si il descendait directement ici, qu'est-ce qui se passe si le Noir vient en S5 directement ça semble être un combat assez compliqué, donc euh, il préfère éviter. Et nous... Il me semble que maintenant il y a un je par ici. Que Noir vienne taper directement ici. Mais il me semble surtout que la dernière fois j'ai confondu... Ouais c'est ça. C'est quand sa pierre N3 est en M3. que je peux faire ça. Parce que je fais ça, il vient là. Et je peux d'abord venir en, en N4, faire un coup à l'épaule de sa pierre en N3, ce qui permettra de me renforcer, mais là non, je serai au contact direct. Donc je perds une liberté directement, même si lui aussi. Donc là je dois reculer ici, il me semble. Et la dernière fois j'étais venu. Et du coup je, je m'étais un peu effondré. Parce que euh, bah, une, pierre de, une pierre décalée, ça, ça vaut beaucoup. Il faut que je fasse attention à ces trucs-là. Donc là je recule. Et cette fois-ci, s'il décide de reculer de ce côté, on peut contre-attaquer assez fort de ce côté. Et je serais assez content, parce que lui, même s'il peut fuir, moi ça serait sur la deuxième ligne. Oui, il peut trouver la vie dans le coin. Mais en soi, nous, en jouant comme ça, ça serait assez logique avec notre pire en quatrième ligne ici. On continuera à prendre de l'influence. Donc on sera assez content. Et en soi, il n'y a pas beaucoup de points ici. Et s'il fuit, par exemple, en k 3 euh, il y a 4 points hein, pour l'instant. Donc euh, pas non plus incroyable. Normalement, ici... Il vit en Q7 ou en R7 et moi je vais en M4 comme je disais tout à l'heure. Ok, il décide d'étendre. D'accord, d'accord. Pourquoi pas? En soi, je pourrais quand même venir ici plus tard. Euh, et ça reviendra à une séquence. Euh, si j'étais venu directement ici, il continue. Je continue et il saute. Bah c'est comme si maintenant je venais là, il continue et je continue. Mais je peux d'abord aller par ce côté. Donc je regarde le coup en R6 que je désirais tout à l'heure. Mais c'était un peu dangereux parce que j'avais pas de pierre d'aide par là. Je pense que c'est ça l'attaque. Hein. C'est le point vital de toute manière. Parce qu'avec ce Kosumi, il a envie de faire une autre gueule de tic de ce côté au moins. Donc si j'y viens moi-même. C'est un des deux points vitaux du Kosumi. Donc on y vient, on le déforme un peu. S'il vient là, on pourra pousser cette fois. Il continue, on pousse, mais il peut pas couper, sinon on fait Atari. Et quand il répond, on capture le tout. Avec toutes les petites séquences que je dis comme ça, comme d'habitude, je vous mettrai le SGF et, et l'analyse basique en tout cas de AI Sensei en, dans la description. Donc là, je viens ici. On punit un peu qui n'est pas répondu. Même si on ne pas tué hein, ce groupe-là normalement, mais il faut réagir. Hein, parce que normalement, je crois qu'il est temps de ce côté. Donc euh, faut pas dire d'accord et... et jouer ailleurs. S'il a, a les deux côtés et nous, qu'on n'a aucune base de vie, qu'on n'obtient rien, ben, ça serait plus très de je sais qui. Cela dit, à partir de K3, je ne connais pas les suites exactes, donc euh, j'essaie de me baser sur les, les formes, justement, des joseki euh, qu'on trouverait euh, pas à côté, C'est à ça qui servent, en soi. Se, re, se repérer, céder avec les formes, tout ça. Et comme je disais, pour l'instant, ces deux pierres, on est encore très loin de ces quatre, donc rien ne m'empêchera de rentrer par là. Et ici, en soi, avec ces deux pierres, même si ça fera plus... Au bout d'un moment, s'il peut rajouter un coup. Mais là, en soi, il y a 4 points. Quoi. Donc ça va. Ok. Il fait le petit euh, Tesuji. Là, si je descends, ce qu'il est en train de me dire, c'est Oui, mais moi aussi, je descends. Et si je descends encore, il peut couvrir. J'ai 3 libertés. Et quand je viens là, il peut couper. Et je me fais avoir. Ça, ça n'a pas l'air de très bien marcher. Tac, tac. Et si on remonte après, il passe au-dessous. Bon, encore une fois, c'est pas très beau pour lui parce que ça serait connecté sur la première ligne. C'est pas vraiment une victoire. Euh, si je recule directement, par contre, il connecte sur la deuxième ligne. Il est déjà un peu plus content. Donc euh, j'ai quand même envie de descendre une fois, je pense. Par contre, il faut que je vérifie. Quand je descends une fois, qu'est-ce qui se passe si je joue directement Q6 euh, et que je vais là, s'il coupe, je peux faire Atari, tac, et je peux aller là. J'ai trois libertés. Il peut pas bloquer, sinon Atari et capture. Donc il continue, je continue, tac, tac. Ça a l'air compliqué pour lui. Donc je pense que je peux descendre ici une fois. Il descend, je monte, il connecte par dessous, et on... On fait Magari, on tourne. C'est Magari, c'est l'angle plein avec une pierre adverse à l'intérieur, dans son creux. Comme disent certains, c'est Magari 1000$, parce que c'est une forme assez puissante. Et il saute, on continue, en fait on fait une influence, mais je sais pas si c'est la séquence optimale. Il faut que je regarde peut-être les autres coups à côté. Si je fais année, elle est là. Non, si je fais année, peut-être qu'il descend également. Et on continuerait nous en deux biais comme ça. Ce qui serait pas mal pour nous également. Ouais, ça c'est possible. Parce que s'il fait ça, on le fait Atari. Il répond, et on fait une gueule de tigre ici, c'est assez douloureux. Ou Même on connecte, c'est assez douloureux pour lui. Donc peut-être tout simplement le hané. Le et s'il recule, cette fois on peut couper. Ici il descend on continue. Et s'il coupe on peut d'abord faire atterrir et puis connecter et euh, il risque de mourir dans tout le coin. Donc ça a l'air assez agréable de faire ça finalement, toutes les autres séquences que je lisais, c'était pas forcément optimal. N'hésitez pas à me dire hein, si euh, j'ai manqué quelque chose. N'hésitez pas à le dire en commentaire ou si vous n'êtes pas d'accord ou si vous avez des questions tout simplement, si je vais trop vite sur une séquence. Là je pense qu'au contraire j'explique un petit peu trop, là j'utilise pas mal de temps. Heureusement il ne joue pas trop vite non plus. Et heureusement on a 25 minutes chacun. D'ailleurs oui je ne l'ai pas dit, hein, c'est 25 minutes chacun et 5 fois 30 secondes. Classique je pense sur KGS mais au cas où. Et on est contre un Dan russe, ok. Kirkov. Non, Kirfov. Ok. Ok ok. Donc année. Maintenant que je regarde, je me dis oui si je joue en deuxième ligne. Peut-être que c'était pas très logique par rapport à ma pierre en Q16. Donc c'est peut-être plus logique de oui prendre l'ascendant directement. Après je suis jamais très à l'aise avec ce style de jeu, notamment influence-moi depuis euh, l'IA notamment. Et aussi euh, là, on, même si blanc n'a pas beaucoup de points, moi je suis un joueur qui aime bien le territoire à la base, donc euh, ça me gênerait pas d'être blanc ici par exemple. Mais bon, on va voir ce que ça donne. Il faut tester tout. Ouais. Là, il sait pas exactement comment répondre. Je pense qu'il réfléchit... Bon, je pense pas qu'il réfléchit ça... À... Ah si, ok. Bon, j'ai rien dit. Je pensais qu'il réfléchissait entre les deux Nobis. Mais il fait... Enfin, c'est un Nobi également, mais à partir de cette pierre-là, je voulais dire. Euh, il fait ça. Si je fais Atari comme ça... Est-ce qu'il réfléchit à... au contre Atari On capture. Après il sort comme ça. Ouais mais on s'en va, on peut encore partir et on aurait obtenu un peu de qui de ce côté. Non, ce serait dramatique pour lui. Non, ça a l'air cool pour euh, Noir, ça, non Et là on connecte. Ça a l'air plutôt ok, non C'est assez dramatique d'avoir déjà joué 4 coups sur la deuxième ligne pour lui quand même. La moitié de ses pierres. Je sais que maintenant euh, on dit que c'est... Ça... Ah, je sais plus quel nom on utilise maintenant pour le coup en deuxième ligne. Avant c'était. Euh... C'était très mauvais, on disait. De jouer en deuxième ou première ligne en début de partie. Et maintenant, après oui, ça va. C'est euh, la ligne de la gloire, je ne sais plus. Je crois que c'est ça. Mais euh, bon. Je pense que c'est. Il faut prendre ça avec des pincettes quand même. Là. Quand c'est la moitié des pierres après 8 coups, ça fait. C'est pas idéal quoi. Il n'y a pas beaucoup de points derrière. Moi, il n'y a pas de points, mais il y a du potentiel énorme derrière cette forme solide. Et finalement, je l'aurais eu mon magari dans l'autre sens, mais bon, je préfère dans ce sens en fait, parce que ici, ça protège pas grand chose. Il n'y a pas beaucoup de potentiel, alors que là, ça rayonne vers mon Q16 et un peu moins vers mon C16, mais en soi, la direction de jeu est plutôt bonne là, je pense. Mais il est santé. Après, il est santé. Il n'aimerait pas trop que je fasse S2 ici. Hein. S2, même s'il vient en T2. Et que je protège. Est-ce qu'il est vivant à 100% S'il était Nuki et que je vais en S8 ensuite euh, S'il vient là, je peux aller là. Ouais, il peut capturer cette pierre par contre. Tac. On peut aller là. S'il capture, on revient là. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué à tuer, je pense. Mais c'est quand même pas très agréable pour Blanc. De se faire enfermer comme ça dès le début de partie. Mais là, oui, il regarde clairement. Est-ce que je dois rajouter un coup Est-ce que c'est obligé Est-ce que c'est plus agréable Ça, sûrement que c'est plus agréable, mais est-ce qu'il a le temps Parce que là, s'il fait Tenuki, euh, s'il rajoute un coup, pardon, euh, c'est quand même bien agréable pour Noir de prendre le temps de venir en, en E16 ou d'approcher par ici. Et il décide de rajouter un coup. Donc là, je pense que ce serait une erreur pour moi d'aller en S9. Me battre pour bloquer ça lui donnerait l'opportunité, euh, tout de suite ou non, je pense que ça dépend du style, d'aller en R10. Là, imaginons Noir répond S9 et que Blanc va direct en R -S R10. Je connecte, puis il peut descendre en S10 s'il estime qu'il est déjà vivant. Donc, euh, j'empêche de connecter. Et il a déjà deux pierres qu'il a gagnées, en fait. Et il peut approcher par là ou par là. Il peut, euh, il peut les utiliser en Aji. Donc, plus tard, ça pourrait être intéressant. Donc, je suis pas très fan de ce coup. Si je devais rajouter un coup localement, ce serait plutôt R10. Continuer dans la logique euh, d'influence. D'ailleurs, cette séquence sera peut-être intéressante plus tard. Tac. tac. Et à la place du Nobi, peut-être euh, faire un autre Kema ou un Tobi. Ça peut être intéressant voir ou alors utiliser ma force et venir jusqu'ici mais en soit il peut obtenir une base de vie en allant en p2 pas évident en tout cas ici si je ne rajoute pas de coup ça ne me met pas en danger immédiat donc ça va je mon groupe est solide quand même donc je peux jouer ailleurs ce qu'il y a c'est que plus tard quand il joue en r10 c'est impossible de couper ses pierres déjà son kemap et c'est assez grave pour lui en soi. Je fais quoi avec ça Je joue Q10, il fait le hané, je peux peut-être couper Ouais, je peux couper peut-être quand même. Mais c'est du combat donc c'est. Voilà. Après, est-ce qu'il n'y a pas plus gros C'est gros de venir là, mais il a gagné cet échange et ensuite il peut jouer ailleurs. Il y a le chimari qui me fait de l'œil ou alors celui-ci à détruire. Après celui-ci à détruire, il me kick, je monte, il saute, je fais mon extension, je sais pas. Quand je vous disais que c'était pas mon fort la, la direction, là je sais pas trop quelle direction prendre. Je sais que ça c'est un coup, euh, c'est bien certain le joueur est direct et serait, mais si si, d'abord les coups urgents et ensuite euh, euh, les gros coups. Mais est-ce que c'est si urgent que ça Parce que ça me met pas en danger, mais en fait ça fait du potentiel, mais... En soi, je peux aller là, et il approche direct en O17 et finalement forcément si incroyable. Après s'il approche en O17, je peux quand même kick, il monte, je saute et un jour quand je redescends en S9, ça fait quand même un bord très intéressant, ça fait beaucoup plus de points qu'il n'en a là. Bon allez, on va faire le coup urgent en premier. Mais je le... j'ai des doutes. Je pense qu'il est content que je réponde à ça, mais je sais pas. C'est dur à dire. Peut-être que je me prends trop la tête aussi. C'est pas impossible. Mmh. Ici, si je devais approcher ce côté-là, peut-être que ça aurait été plus avec un D4. Je pense que maintenant, il va rajouter. Donc, soit il va jouer son schimmer ici. Soit l'approche, euh, le cacari en, en E17 ou en E16. Ok. S'il pousse encore, je continue. Et il continue sur la deuxième ligne, je m'en fiche. S'il monte, je vais là. Qui coupe, je vais là. Il se fait juste un groupe seul, en fait. Ok. Euh et s'il vient ici, je peux aller là, il descend, je vais là, il monte. Hmm. S'il vient ici, voilà qui va là, je vais là, il connecte, et on, on fait encore Magari, voilà. Mais il connecte sur la. Le... Ouais. Je pense qu'ici, je vais Tenuki pour le coup, ça a l'air moins gros que tout à l'heure. Même s'il a des petites magouilles, ça a l'air quand même bien moins gros. Et du coup, là, je pensais au D4, je disais. Euh, parce que si j'approche de manière un peu plus euh, classique, on va dire. Euh, ça il peut euh, venir en E3 et je me retrouve surconcentré ça il kick en D3 j'ai l'impression d'être surconcentré également alors que là euh, quand il vient ici je fais un année directement s'il si recule je peux connecter s'il vient là je peux aller ici, tac, et en fait je prends l'influence encore une fois. Ouais, c'est encore un jeu d'influence, quoi. Tac, tac, je vais là. Ou peut-être que quand il vient de ce côté, en fait, non, non. Si je vais en D4, qui va très certainement en D3, euh, je vais plutôt aller en C5. C'est ce côté qui m'intéresse. Donc oui, oui, si je vais là, il y a même des chances qu'il réponde en D5, du coup. Si je veux pas que je que je continue mon jeu euh, quand même assez intéressant de ce côté. C'est intéressant de venir là. Si j'ai en D3, je veux dire clairement en C5. C'est ça qui m'intéresse. Ma pierre est en C16, là, elle regarde bien vers ça. Atari on répond, il a deux coupes. Ok. On peut pousser... Ouais je crois que c'est ça. Bon on le donne pas mal de bord euh, sud, mais... On a quand même une belle... Euh, une belle influence. On vient jusqu'ici. Ok, ça lui fait pas mal de points, mais il y a quand même euh, un potentiel assez énorme ici. Donc c'est cool. En fait c'est comme si on avait joué le Kobayashi un petit peu. C'est comme s'il avait son Oshi ici. Non, si. Euh... Ouais c'est ça. S'il avait son Oshi ici, qu'on approche là et qu'on fait ça. Et là on est encore un peu plus proche du coup. On est plus solide. Qu'est-ce qu'on fait ici Est-ce qu'on prend le coin Tac. Il fait ça. Je recule. Il connecte. Et au lieu de faire le Joseki classique, comme je suis déjà très solide ici, je fais en troisième ligne. Je peux également envisager E15. E15, les séquences, c'est. Il va en F15. Je recule. Et. Soit il, soit il va en G16, soit il monte en, en F14. Je pense qu'il ferait plus ça là pour viser un D11 potentiellement plus tard. Ce qu'on peut faire aussi, là je, je regardais pas trop, mais comme on est fort en face, euh, c'est pincer tout simplement. On a déjà une pierre en D10, on a un mur assez efficace. Si on veut mettre une pression assez forte, on peut pincer. Qu'est-ce qu'on peut faire Je vais réfléchir un petit peu. J'aime bien ce coup-là quand même. Il y a quand même un énorme potentiel sur ce bord. Bien plus intéressant que ça. Bien sûr, il peut essayer d'autres séquences aussi. S'il joue en D16, il se prend déjà une, un nez à la tête de pierre. Bon, pas très agréable. S'il vient directement dans le coin, qu'est-ce que ça donne J'imagine que je reviens en D16. Et lui, il va en D17. On fait Atari, il va là, on connecte, mais il a une approche ici, c'est pas très agréable. Hmm. C17, qu'est-ce qu'on ferait Peut-être qu'on doit aller là ensuite, bon, de toute manière, c'est pas ce qui se passe, mais il faudra que je revoie un peu cette position. Donc ici, je recule là. Peut-être qu'il y a ça également, mais ça lui donne l'opportunité de s'installer davantage dans le coin. Alors que ça, c'est assez sévère, il ne peut plus trop s'installer dans le coin parce qu'il a une coupe ici. Peu importe s'il répond G16 ou F14, le Joski orthodoxe en tout cas, pour Noir, c'est de répondre ensuite en E17. S'il a répondu en G16, euh, qu'on en E17, il va en. F17 et nous on recule en E18. Si il va en F14, on vient également ici, je crois. Et là il connecte, il me semble. Oui c'est ça. Et nous on recule du coup. Donc ça dépend ce qu'il veut en fait comme forme, parce que nous ça revient à peu près à la même chose. Donc ça dépend ce qu'il veut connect en dur, ok. Ok, moi j'aurais choisi F14 pour vraiment diviser une approche par là parce que maintenant, si noir vient ici, peut-être la forme la plus sûre pour dire Regarde, j'ai tout ça en point, c'est sûr. Euh, plus gourmand, il y a le F14. Mais F14, est-ce qu'il est vraiment obligé de répondre Est-ce qu'il peut pas approcher tout de suite parce que c'est assez solide en fait cette forme. Il a encore l'accès ici, il a un accès vers, euh, sur l'extérieur et il a un accès sur le bord. Donc ces trois pierres là sont assez safe. Peut-être que ce serait un peu trop gourmand d'aller en F13 en ce cas. Alors que si je vais en E13, ça menace de venir en F14 ensuite et là c'est beaucoup plus solide. Donc lui-même aura envie de venir ici. Et à ce moment-là, on joue par là, je sais pas. Par ici. Hmm. Déjà on va jouer ça. Peut-être qu'il va vouloir faire son extension tout de suite. Parce que s'il prend son extension et que je fais le F-14, le F14 serait peut-être pas le meilleur timing non plus. Parce que bah, il est safe. Et après, il peut prendre Sansan et dire oh, regarde j'ai assez de points. Parce qu'en soit, moi à part ici, j'ai pas encore des points éclairs. Donc s'il vient en K17 tout de suite euh, là, moi il faudra que j'aille en M17 peut-être. Ok, il décide d'approcher le coin. On défend ce coin. Je suis pas certain hein, par rapport à la direction de ses coups. Bon maintenant on peut descendre ici. Ce qui lui permet d'aller là et on peut pas vraiment aller à l'intérieur. Ou alors j'hésite, je viens par ici. Et ça lui donne le B18. Le niveau direction, ça a l'air quand même intéressant. C'est quand même le, grand, le dernier grand espace qui est non disputé. Il va très certainement mon B18 maintenant pour la base de vie partagée. Enfin non, la base de vie pour blanc, puisque c'est pas partagé. Mais c'est le coup normal. Parce que là, si j'obtiens ça, plus ça, ça risquerait de mettre à la mal la base de vie de, du groupe de blanc. Donc il vaut mieux éviter. Il s'en fiche. D'accord. Euh, je ne suis pas forcément très fan de s'en fiche de ça. Mais on va voir. Alors ici, oui, il dit ça va aller parce que je peux connecter. Ce qui est vrai. Ce qui est vrai. Donc, ici, j'ai bien envie de dire... Euh, très bien, ben... Déjà, ça a rien de penser de dire tu peux aller dans le coin. En fait, ici, il n'y a aucun potentiel pour noir. Donc... J'ai bien envie de dire avec ce coup, ce coup ou ce coup-là. D'accord, ben je prends le coin. Et toi, tu vas encore une fois jouer sur ta deuxième ou troisième ligne. Je suis bien attiré par le S15, prendre le maximum possible. Ce qu'il y a, c'est que cette pierre-là n'est pas encore se connecter ici ou sortir tranquillement. Et est-ce qu'il ne serait pas tenté de venir directement en O17 Faire une double approche je kick ensuite, il monte et je sais pas. Hmm, ça peut être intéressant ça en fait. Est-ce que j'ai vraiment quelque chose à craindre de ça D'accord, il va couper. Est-ce que c'est si grave ça de se faire couper ici Il va sauter là. Pour dire tu n'as plus le chichot mais dans ce cas on peut connecter au-dessous. Je sais, je sais vraiment pas. Est-ce que c'était utile de couper ici En tout cas, là, ça se dessine vers euh, cette pierre, on ne sait pas trop ce qui se passe. Celle-ci, on ne sait pas trop ce qui se passe. Pour l'instant, c'est des pierres isolées, donc c'est pas trop euh, très important. En tout cas, celle-ci n'est pas très importante, on va dire. Celle-ci est quand même une pierre de coupe. Et les pierres de coupe, en général, on aime bien les sauver. Et ça, il faudra surveiller dès que Noir vient en B18. Comment est-ce que ça se passe C'est pas faible, hein, bien sûr. Même si je joue en B18, est-ce que c'est faible parce qu'il peut aller en H17 Dur à dire. Mais attention à, euh, attention à Blanc quand même. Il saute ici, qu'est-ce qui se passe si je vais là Tac, tac, tac. tac. Je pense qu'il vise un point par là. S'il vise cet Atari, on fait contre Atari. Il circule là. on fait double gueules de tir, on est tranquille. Et s'il vient ici, on connecte. Il menace de couper. On vient là. Il peut revenir ici. Et si on connecte. Il revient là, il capture ses quatre pires. Mmh. Ok ok. Ou alors, quand il vient ici, je vais là, il coupe en faisant ça. Il a que 3 libertés, donc je peux venir là. S'il tente de couper, tac... Ouais, je sais pas. Ce coup-là sera peut-être compliqué à gérer après. Tac, tac, tac. Ah il pourra couper ici en fait à un moment, parce qu'il faudra pas que je laisse ces 4 pierres, donc il faudra que je les sauve. Mais du coup il y aura la coupe ici, et je devrais faire ça. Tac tac. Je descends. Il pourra capturer ces deux pierres là. Par contre, ça abîmera un peu cette position, mais il gagnera un petit peu. Après, il aura dev... un coup de plus ici, je pourrai encore attaquer, sachant que là, je vais rajouter un coup. Qu'est-ce qui se passera dans cette zone, c'est ça qui est compliqué. C'est dur de choisir. Bon, pour le moment, il faut que je m'occupe de ces deux pierres. Donc un coup comme ça, comme ça, ou comme ça, j'imagine. Le truc, c'est que là, si je touche, et qu'il descend... Ça a l'air compliqué. Tout simplement, Kozumi, je pense. Tac, tac, tac. Il a trois libertés encore. Il pousse là, je vais là, il fait Atari. Contre Atari. Capture, on vient là. Il pourra vivre avec deux yeux, là, il continue ici, je vais là, il fait là. Il a un œil là, un œil là. Mais nous, on aurait complètement fermé et ensuite on peut poursuivre l'attaque. Je sais pas. En fait on finit SNT sur cette séquence donc ça a l'air pas si mal. Et si monte bien sûr on connecte donc il y a de fortes chances qu'il descende. Peut-être que même avant de... quand il descend, même avant de faire le Q14 directement, on peut peut-être descendre une fois également. Dans ce cas il peut aller là, on va ici. Fatari. Non, c'est pas, pas très bon. S'il descend, il faut qu'on monte ici. Ça revient un peu, là, d'ailleurs, ce coup-là. C'est un peu la même chose que euh, euh, le coup en R7 qu'il nous a fait tout à l'heure. Ça revient à la même chose. S'il descend, on passe dessus. S'il monte, on passe dessous. Voilà, bah, tout à l'heure, c'était ça quand il nous avait fait ça. Si je descendais, euh, il pouvait jouer au-dessus. Et quand je recule, il peut connecter au-dessous. C'est euh, le même principe, en fait. Et on essaye de connecter tout ça, de jouer encore une fois l'influence, et de dire ok, prends quelques points ici. Nous on continue sur la logique de mur. On va voir si ça peut payer ou pas. Parce qu'en soit blanc se fait des points. Ok, d'accord, il s'en fiche, il veut cette séquence On va abandonner ces deux pierres. Mais encore une fois, cette séquence-là, on, séquence on disait qu'il finirait goté. Cette séquence-là, on disait qu'il finissait goté, euh, qui perd l'initiative donc, mais qu'il prenait ces deux pierres. En soi, nous, ce qui nous intéresse, c'est cette zone-là. Bien sûr, c'est risqué, hein, je pense, mais. On va rester sur notre idée. Il le joue comme ça. Si je joue là, il peut venir là, je vais là. Et il peut fuir. Donc là, il me force à faire une mauvaise forme. Je pense que j'en avais de toute manière des mauvaises formes, mais. Et coupe. Atari. Tac. Atari. Enfin pas Atari mais je pousse. Il oublie de capturer. Et on peut s'appuyer ça, ça ici. Là on pourra connecter soit de ce côté. S'il sort. Soit s'il coupe là on pourra capturer. Ok. Je sais pas si ça vaut le coup de... Par contre de sauver ça. Je pense même que c'est une mauvaise idée. En fait ce qu'il y a c'est... Est-ce que maintenant je peux pas... Sauver ces pierres-là. Oh, C'est peut-être un peu gourmand. Sauver ces pierres. Et quand il coupera, je pourrais sortir. Tac. S'il va là. Non, il y a snapback. OK. Si je vais là, une fois qu'il a coupé ici. Ah bah non, il n'y a pas snapback parce que j'ai une liberté ici. Tac. Tac. On a l'impression quand je vais là qu'il peut aller ici. Et si je capture, oui, je me fais capturer. Mais non, parce que j'ai une liberté là. Ça donne vraiment envie du coup. Là je pense qu'il est trop gourmand avec ça. Je dis ça tout en étant gourmand en voulant jouer au euh, 3, mais. Mais en vrai. Si je vais là, il monte. Par exemple, même, ça sauve ses deux pierres et là je connecte. Il faut qu'il règle ça et ça. Et si je vais là et qu'il coupe tout de suite, on s'occupe de ça. Sachant que je peux encore sortir avec ces pierres. Aller en S2 ou passer en N2. Ah c'est tentant. Très, très tentant plus de café plus de café il coupe on va ici il n'y a pas de snapback parce que j'ai une liberté en r5 et je pense qu'il a dû oublier sa liberté je sais pas et là je peux glisser ici parce que s'il vient là je fais la taille s'il va là on capture et ensuite, on peut capturer celle-là ou sortir ici. Ou alors, je sors là. Très solide. Au moins, on est sûr, que je suis sorti. Ah, merci. Il y a la recherche qui arrive. Euh, si je vais là, je fais une connexion bambous et de pierre avec celle-là. C'est connecté 100%. Mais il faut assumer ce groupe. Euh, il montrait là. Je peux aller ici. Il va là. Puis je vais là. Hmm. Ou alors je continue une fois comme ça. Je ne sais pas. Parce que si j'ai le temps d'aller en N2, je... autant y aller. Hein. C'est quand même très intéressant. Ouais, je vais rentrer en -E mais en plus. Donc là, il faut être sûr. -être... Ouais, ça, c'était peut-être une mauvaise idée d'ailleurs de commencer une séquence compliquée alors que je vais rentrer en BEMI. C'est vrai. Si je vais en N2, qu'il vient en. En fait, ce qui me fait peur, c'est le O9. Je continue. Il va là. Bon, on fait double Atari en fait. S Il protège là, on capture. Il fait Atari, on revient là. Et s'il fait Chichot, tac. Ouais, on n'a pas le Chichot. Donc là, on se ferait capturer, ça, j'ai l'impression. Tac. Blanc. Noir. Blanc. 8, 9, Attends, tac. Ah non, parce qu'il répond là, mais on peut aller là. Attends. Tac. Blanc, nord, blanc noir, Non, il protège cette pierre. Donc on a encore deux libertés. On fait Atari. Il va là. Atari Donc là il faut jouer ici ah, je sais pas. Non, on va protéger ça. Ah, j'ai perdu la période. Ouais, c'est pas Fox. Hein. J'ai perdu la période. Ah, ça va être compliqué. Non, j'ai l'impression qu'aucune séquence passait vraiment pour Noir. Donc là, il faut répondre. Et là, on a ça et ça, miyai. Ok, il décide d'aller par là. Il dit vraiment Tu vas courir. On va courir ensemble. Et de toute manière, il a du temps pour réfléchir alors que moi non. Hmm. Ça va pas être évident tout ça. Hein. Euh, je peux aller là, non Je m'en vais en fait. S'il pousse, je mets à de connecter tout. S'il connecte, bon, je capture cette pierre. Je peux aller là d'abord, non Tac. On va aller là. Atari. Et on va ici. S'il pousse ici, je connecte tout. S'il pousse là, je vais là. S'il pousse là, je vais là. Mais ça devient risqué parce qu'il n'aurait plus que de liberté. Bon. La partie est devenue bordélique. <laughs> C'est compliqué. Et pas forcément à mon avantage quand même. Après. Bon, j'ai moins de temps. Mais tout le long de la partie, on a moins considéré le cash que la force. Donc là au moins on est assez fort dans la zone. Mais il faut s'occuper de ces deux 1-2-3, de, 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 ces deux groupes en même temps. Après lui également, assez de pierres et de pierres en suspens. C'est compliqué. Là j'aimerais bien avoir une petite pierre. D'ailleurs, le chichot de tout à l'heure, si j'avais une pierre par ici en G14, c'était bon. Pour moi. Et j'avais pas besoin de me prendre la tête pour tout ça. Que j'ai montré hein, la, la séquence à peu près, j'ai dit les coordonnées pour le show tout à l'heure. N'hésitez pas à re reproduire de votre côté. Vous verrez, ça tombait sur la pierre en F15 et du coup ça marchait pas pour moi. Mais s'il y avait eu une pierre noire par ici, c'était plutôt cool. Parce que là, le N2, on aurait bien aimé l'avoir, c'est sûr. Mais je pouvais pas me permettre de sacrifier une pierre de plus. Normalement, là, il va en, en N8. Ok, il décide de forcer, comme un gros bourrin. Il a plus que de liberté. Ah oui, d'accord. Parce que là, je protège, il protège. Et ensuite, il a le chichot ça. Hmm. Merci. 10 6, 7, 8, 9. Ah je vais perdre par le temps à hein, la force là. Zut. Parce que là si je protège, il protège. Et j'ai encore une coupe ici, donc euh, je protège d'une manière ou d'une autre. Mais avec sa descente en une deuxi je peux pas couper, donc euh, je fais que je gagnerai pas grand chose. Et lui, il peut faire attaquer. Tac. Puis chichou. 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 10. Même guetta. Aïe aïe aïe, c'est problématique. Mais en même temps, j'ai pas trop de choix. Hein. Là, il connecte. Et si je viens ici, euh... je peux me couper. Et ensuite, si je fais ça, je peux faire ça, tatari, tac. Et ensuite, il vient par là. Je viens ici il va là je suis en Atari ça marche pas très bien on va menacer de prendre beaucoup mais en vrai ici on se fait avoir ça c'est après il y a pas Ah, mais y a encore la liberté je l'oublie moi même il y a encore la liberté en r5 est ce que c'est bon tac tac eh, peut-être que ça passe pour moi en fait avec sa liberté je l'avais complètement oublié Tellement elle n'est pas évidente en fait Je raconte pas mal de bêtises. On va venir là. Plus que capturer ça, c'est pour protéger encore une fois de ma coupe. Parce que là, si, si je vais ici, ce qui donne envie quand même, hein, c'est un gros coup. Euh, il pourrait couper Atari. Tac, tac, tac. Ouais. On va venir là. C'est gratuit. Et il faudrait pas que je tombe à deux périodes. Ça serait bien. Pas tout de suite en tout cas. Pas tant qu'il est en... dans son temps principal également. C'est pas évident. On est déjà à 46 minutes Non, c'est parce que j'avais démarré avant. Ouais. Ok, Atari. Mais là s'il coupe maintenant, je peux faire Atari comme ça, il descend et je capture. Donc là ça va. On va faire cet Atari là, gagner un peu de force dans la zone. Et ensuite Tenuki. Ici. Même s'il a ce genre de coup, euh, on peut venir là. On a encore un peu d'espace ici, si ça devrait aller. Tac. S'il si continue, je peux venir là. Continue là, je fais. Atari, tac, atari. Tac, et on connecte. Ça a l'air d'être plutôt ok. 3. Donc ça, ça a l'air très très gros quand même. Mais oui, un coup d'attaque par là, ça a l'air euh, normal. C'est le coup que Noir aimerait bien prendre. Parce que si je prends ce coup-là, ça me naze aller vers là. Mais s'il m'empêche d'y aller, déjà c'est compliqué. Euh, après, je peux faire encore une fois la même forme qu'ici, euh, qui serait possible en F14. C'est d'aller en K8, faire une gueule de tigre très puissante, qui attaquerait ses pierres, en plus de sauver euh, définitivement les mines. Je pense qu'il a tout loupé. Un coche ici, non Je sais pas. C'est une situation assez compliquée, mais il a joué assez vite en soi, alors qu'il avait beaucoup plus de temps que moi. Après, je ne suis pas encore sorti d'enfer. Ces pierres-là, ça a l'air d'aller, maintenant. Celle-ci, bon, on le sent. Hein. Je pense que n'importe quel niveau sent que c'est assez bordélique. Mais il y a des possibilités. Déjà, j'ai un œil ici assuré. Si je prends S2. Ou si je descends O2. Hum, Peut-être pas. En 2. Euh, S2, Yvan, T2. Je vais en S1, il a la petite glissade. Ah, c'est pas sûr en fait, ouais. Je m'avance peut-être un peu. Ce qu'il y a, c'est que si je vais en S2 qui va en T2, je recule. Euh, hmm. Plus tard, j'ai 7 Atari, et la descente, il aurait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quand on descend, si je vais là, tac. Faut qu'il fasse attention. Ok, il m'attaque comme ça. On va répondre. Hein, parce que s'il joue là, je suis dans un atari. Et ensuite, il continue. Je continue. Il joue une séquence assez simple du coup. Mais est-ce que ça suffit pour lui Il est content avec ça. Est-ce que je joue ça ou ça Si je joue ça, il continue, il va pouvoir approcher là. Si je joue ça, il peut aller là. Hmm. Seconds. One, two, three. Plutôt jouer de ce côté, ouais. Il continue une fois. Qu'une raison qu'il fasse pas. Hein. Parce que si je joue en, en G7 moi-même... Euh, s'il si répond, je peux jouer là. Ça menace de faire Atari et capturer les trois pierres. Donc c'est un coup très important, cette pierre. Cet emplacement. Et s'il fait le hané, je pense que je peux couper. À cause de cette coupe encore. Donc euh, là, il fait nobi, clairement. Il fait le nobi et voilà. Ouais, c'est normal. Question de forme. Ce qu'il y a, c'est... S'il pousse ici et que je vais là... Ah, Est-ce que je peux pas aller là, en fait Ça me raisonnement. Si je vais ici. Qui va là. Je vais là. J'ai ma gueule de tigre. Je suis connecté. Si il pousse ici. Je vais là. Il peut pas couper. Donc ça a l'air intéressant d'aller par là. Pour essayer de défendre un minimum. Les points que j'ai essayé de construire ici. Attention à ma période. J'ai encore failli perdre. Une période de plus. Et maintenant il faudra aider ces pierres là. On s'en sort pas trop mal, j'ai l'impression. Parce que qu'est-ce qu'il a gagné finalement Pas grand-chose. Il doit encore résoudre le B18. Il doit résoudre peut-être ces deux pierres. Bon, ça, c'est trop tard. Euh, il devra aider ces pierres-là. Il n'a pas vraiment répondu au K17. Enfin, il n'a pas répondu au K17, en fait, tout simplement. Donc, ouais, attention. Regarder quand il ira en R15, qu'est-ce qui se passe si je recule par exemple les séquences Parce que si j'obtiens le S10, il y a des questions à se poser avec ce groupe. Non, bon, ça ferait un puis deux coups à rajouter. Ça me complique. reculer comme ça. On peut continuer, c'est gratuit. On va là, après ça se retire une liberté en soi. Quoique là il en a trois, s'il continue, je vais là il en a trois. Mais là ouais, il y a des points assez chiants. Moi je les dirais plutôt là pour lui en fait, tout de suite. Parce qu'il y a quand même ce coup-là, G9, et le coup en K9, qui seront assez pénibles si noir les joue. Imaginons on a une pierre noire ici, blanc connect, une autre pierre noire ici, blanc connect. Il a un pâté et il sait pas trop quoi faire. Ok, continue à attaquer. Hmm. Là pour le coup, c'est pas très bon je pense. Est-ce que je peux protéger par là quelque chose Peut-être comme ça ou alors, est-ce que j'ai pas cette séquence Tac, il vient là, je, je fais ça. Capture, je viens là, tac, et je recule. De manière moche, mais euh, ici j'ai consolidé. Hmm. On va se faire ça, je pense. Et même quand il vient là, est-ce que je peux pas reculer Il connecte. Non, il aurait la descente, donc c'est pas très bon. On va faire ça. On se fait des belles formes. Atari. Et on sent. Est-ce qu'on peut faire ça On a quatre libertés en soi. Là, on fait ça. Il en a plus que deux. Et en plus, à vouloir sauver ça, qui ne sont plus très, qui n'étaient plus très utiles. J'ai l'impression quand même. Hein. Ou en tout cas, ils pouvaient... elles pouvaient être utilisées en agi pour ces pierres-là ou le développement utile, Je sais pas. Mais euh, ça, c'est pas encore vivant. Même si c'est difficilement attaquable. 2, Attention. 3. Tac. S'il coupe, je vais là. Ouais, je ne vais pas prendre de risque. Déjà, je vais pas perdre une période. Et je vais pas prendre de risque. On sort tranquillement, encore une fois, ça menace à le gueule de tigre. Qui est vraiment le thème vraiment de cette partie là. Euh... Et on s'en va tout simplement en fait. Solide, il a un groupe, deux groupes, et potentiellement trois groupes. À regarder maintenant. Tout simplement. Donc euh, on joue solide, on chasse, et on voit ce qui se passe. Ou bien un moment il devra probablement faire un choix. En plus K17 est bien ici, je trouve. Là on a fait des petites gueules de tigre sympathiques. Qui me laisse croire que s'il va en R15 maintenant je peux reculer en A16. Si il continue, je vais là. Il coupe. Capture. Il fait contre-atari. Ok. Et il sort. Ouais, il peut sortir peut-être. Il faudra faire attention. Ok. Maintenant il protège ici. Si on vient là, il peut couvrir. Voilà. En fait, je pense qu'on va s'en fiche de comment on sort. Est-ce qu'on peut sortir comme ça 4, 5, 6, 7, 8. Bon, On va déjà faire le nobby ici. Solide, retire une liberté. Il en a une, deux, trois, quatre. Et si on fait ça et qu'il coupe, on fait Atari. Protège. On vient là. Et il peut faire, certes faire ça, tac, tac, tac. On n'a plus que 4 libertés. Et lui, il n'aurait plus que 2 ici. J'ai l'impression que c'est une séquence plutôt viable pour Noir. Il va regarder, là c'est normal hein, de le lire du coup. Mais Atari, il répond. Je vais là, il n'y a plus que trois libertés. C'est super risqué de couper, je pense. C'est même euh, suicidaire. Le problème, c'est que s'il ne répond pas, qu'il euh, qu recule, déjà ça, c'est vraiment dans la galère. Et moi, je me pose en K11 tranquillement. Je fais ma petite gueule de tigre. Toutes mes pierres sont connectées et euh, il devra faire un choix. Sauf que là, c'est hyper ça, c'est un quart de Goban. Hyper euh, ça, c'est tout le centre. Donc là ça a vraiment été le jeu, ouais. Je suis assez content parce que c'est un... Je... Je suis resté sur l'influence et ça marche bien. C'est chouette. C'est chouette, c'est chouette. Et lui, il aimait bien le territoire et après voilà, il revient pour essayer de contester l'influence, mais pas si facile. Après j'ai... Ça n'a pas été parfait, hein, bien sûr, parce que on voit ces deux groupes un peu n'importe quoi c'est un moment ok s'il menace il sait de gagner du temps s'il fait statari je vais là ce qui menace quoi de revenir là voilà. on va attention se groupe toujours hmm. si je protège qui coupe je fais statari il va là hmm. même si je perds ça je prends tout ça T'as l'air de valoir le coup non euh, Ici avant de connecter, je vais faire cette atari je pense. S'il vient là, je capture. Il n'y aura même pas taré sur cette pierre, il y aura se seulement sur celle-ci possible. On va faire ça d'abord, avant de répondre. D'abord on alourdit, et ensuite on se protège. Désolé encore une fois la vidéo va durer une bonne heure. Je <laughs> sais pas, je crois que j'ai commencé quand le minuteur était à 5 minutes, un truc genre, là je suis à 58 donc ouais on doit être vers les 53. Peut-être pas mais. Vers là, vers là. Ok, il protège, je protège. Il a un œil un hein, potentiellement ici. Il fait Atari. Moment bon, on revient pour tous ses pierres. On revient pour tout le groupe ici hein, je pense. Comment est-ce qu'on attaque ça Année tout simplement? 10 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je pense hein. Peut-être que j'ai eu été un peu craintif, parce que là j'abandonne quand même une grosse zone. Pour pas mal, hein, c'est vrai. Mais euh. Ouais. Je pense qu'il aura cette place ici pour lui. On fait nobby. S'il vient ici, on peut reculer là. S'il protège là, on vient ici. Donc là, il revient là. Le problème, c'est qu'il y a ça qui menace de prendre toutes ces pierres. Il fait année ici, on va là. Atari tac, atari tac. Peut-être qu'il faut que j'aille là. Il revient ici, je vais là. Il va ici. Non, il faut que j'empêche de faire des yeux. Il peut faire ce année, ça c'est dangereux. Euh, dommage, mais bon. Après, là, ça menace quand même de prendre là. Mais ouais, peut-être que j'aurais dû me battre encore une fois. Euh, dire non, non, tu fais courir les deux, tu fais courir les deux. Mais euh, j'ai pas beaucoup de temps pour réfléchir à tout ça. J'ai beaucoup utilisé sur le Fuseki. Ah, et là, il fait l'année le. ici, j'imagine. Encore une fois, c'est là où on aimerait bien y voir une sipier ici. Elle dirait clairement, par là, tu sors pas. Mmh. Protège. Pour l'instant, il a peut-être un œil là. Il recule ici. Euh, hmm. À venir par là Pour aller là, je recule là, pour s'appuyer ici, je vais là. C'est compliqué. Hein. Ce qu'il y a, c'est qu'avec ce genre de coup, peut-être qu'il n'aura aucun œil ici. C'est ça qui est intéressant. Donc même s'il continue et seconds. que oui, il arrive à aller jusque-là, il y aura toujours la question de quand est-ce que tu fais tes deux yeux quoi. Et Il passe enfin en Biomie, bon j'ai pas réussi à respecter ce que je disais tout à l'heure là de garder trois périodes j'en ai plus que deux. Au grand pas tomber à une. Et là maintenant la partie se joue sur ça en fait ouais, clairement. Euh, on recule, je fais faire une bêtise là. On bloque. Si j'avance ici et qu'il va là, je joue ici. En fait, même s'il protège là... Ouais, ici, si j'avance là, il n'y a, il a aucun œil ici. Bien sûr, s'il protège. Euh, il y a un œil là. S'il protège, je dois aller là, en fait. Parce que s'il protège et que je vais là, par exemple, pour bloquer, il peut jouer là, ensuite. Et... J'ai aucun moyen d'empêcher que ce soit un deuxième œil ici. J'ai l'impression parce qu'il faudrait que j'aille là parce qu'il protège ici. Bon, il n'a pas l'air de l'avoir vu. Donc c'est quand même tentant de venir là maintenant. Tac, il protège. On vient là. Ouais. ça a l'air quand même très intéressant ça, ça c'est vraiment juste pour s'assurer ici il n'y a pas de deux yeux voilà maintenant potentiellement il y en a zéro si j'ai le timing pour ça donc là s'il réussit à te faire un oeil ici normalement ça serait euh, goûté mais dans ce cas là on lui dirait ouais mais ça n'es pas là en plus ici on est on peut prendre une base de vie assez certaine en B18 donc ça c'est cool de même, euh, il faudrait d'abord qu'il coupe, tout ça. Ok. Faut que je fasse attention, hein, mais. Euh. Hmm. Connect en dur Si je continue, il a peut-être des petits trucs avec la coupe ou avec ça, je sais pas. Compliqué, hein. Connecté en dur. Me dit, comme j'ai cette cartouches, je peux jouer solide. Parce que si je vais là, qui va là, je peux y aller ici. Il capture, je reviens là, et c'est un faux oeil. Euh, si je vais là, qui capture, je vais là. Déjà, ça ouais, capture, c'est pire, c'est sûr. Et il n'y a pas d'oeil. Oui. Ça, c'est pas pratique par contre. Oui, mais encore une fois, j'ai dit, s'il si fait un œil ici, c'est goûté. Voilà. Ouais, ça euh, vraiment j'aurais dû euh, faire courir les dents en même temps. Par contre. Ça c'est sûr. J'avais commencé à le faire et ouais. Ça donnait envie d'attaquer vraiment le plus gros. Ce qui est bien c'est qu'il me rejoint rapidement dans le temps. Donc euh, au moins c'est qui ah, Il peut faire son œil ici. Dans ce cas là je viens là. Il faut que je fasse attention à cette coupe. Capture ici. Donc Là, il menace de venir là. En même là. Il a le temps d'aller là. S'il fait cet Atari là, je vais là. Il continue. On peut faire ça. Continue, tac. On oh, va aller là. Ah, je sais pas. Peut-être que c'est trop lent. Parce que il peut aller là et là, donc il a un œil sûr. Si il va faire celui-là. Parce que celui-là menace de. Re... Bah, il retire une liberté, donc c'est plus pratique. Peut-être que c'est lent ce coup-là. Voulais... Là, je l'ai joué parce que je voulais pas tomber à une période. Euh, il va ici, d'accord. capturer ça. Allez, il fait son œil ici. Non, il vient comme ça. Si je connecte... Il va venir par là pour menacer de faire un autre deuil ici. Est-ce que je peux pas faire ça Et si il coupe Je fais Atari là. Je pourrais sortir Ouais, mais il sort et. Ah ouais. Et quand il sort lui-même, il peut encore capturer ça. Hum. Je pense vraiment qu'il doit faire ça à un moment. Pour sacrifier ces pierres là. Parce que. Euh... Parce que moi, quand je le fais, il devra protéger. Et après, je peux bloquer l'autre. Ici, peux... est-ce que je peux encore sortir Tac, il coupe. Je vais là. Tac, il va ici. Je vais là. S'il coupe, je viens ici. Ça a l'air compliqué d'empêcher de, les noirs de sortir, cela dit. Comme on est solide. Ouais. Donc je viens là d'abord. Il bloque. S'il n'a pas envie que je connecte en sautant, par exemple, ah, il bloque, hein. mais il faudrait vraiment qu'il fasse ça. Tac, je fais là. Voilà, il a un oeil, et ensuite, euh, bon, je vois pas trop comment il en fin fait un deuxième, mais bon. Ok, on va venir ici. Seconds, ouais, je me retire peut-être une liberté ici. Il fallait peut-être faire G14 d'abord. Parce que là, maintenant, si je fais G14. Quand il va couper, il pourra. Ah bah non, il peut pas encore faire cet Atari. Hmm. Tac. Ah, il cherche à pouvoir le faire cet Atari. C'est compliqué, hein. C'est très compliqué, là. Oh, depuis un moment, mais bon. 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, il a envie d'aller en B18, j'imagine. Moi, je viens d'abord ici. Comme un coup gratuit qui m'apporterait la vie si je capture. Sur à 100%. Donc ça, c'est utile. Et ensuite ici. Où la coupe marche tout de suite. Tac. Il vient là. Je viens là. Normalement, ça passe pas pour lui. Là, t'es obligé de protéger ta pierre, par contre. Oui, <laughs> on est d'accord. Est-ce euh, qu'il peut vraiment m'empêcher de sortir déjà Tac. S'il coupe direct, je prends cette pierre, en fait. En chichou. Donc, il va là. Je recule. S'il coupe, je viens là. Peut pas me bloquer, sinon je capture. Donc, tac, tac. Il continue. Je vais là. Et là, il coupe. Je vais là. Il va ici. Tac, ah, c'est compliqué, seven, mais on va le faire. S'il va là, je peux peut-être faire le, année, tout simplement. Tac, attaquer, tac. Il fait attaquer, tac. Il doit se protéger. Ça ou ça hmm. J'ai l'impression que ça c'est pas mal. Tac ou tac, ça revient le même. Okay, tu te protèges j'ai une deux trois quatre libertés et lui une deux trois là pour l'instant donc il faut qu'il fuit avec ça et moi si je coupe il vient là non Peut-être que je devais couper avant de faire ça parce que j'avais une liberté de plus et ça passait, mais... Je sais pas. Là, je viens là. Ici, si connect. Je vais là. Je dois peut-être aller au milieu. Tac, tac. Oui, parce que s'il fait attaquer de l'autre côté, je vais là et il est mort. Donc, tac, tac. Je vais là. Si Fatah nine là, il connecte. Six, seven, eight, tac. Tac, tac, tac. Quatre libertés. Je crois que j'ai fait une bêtise. 4 5 6 7 8 9 Oh merde. Oh bah ben, voilà. C'est con. Perdu par le temps. Je dis merci. Ah, c'est bête hein. Je pense que j'ai été un peu trop gourmand, je sais pas. On va regarder ça un peu. Il me dit bien joué. Bon, c'est lui qui a gagné hein, mais bon. Il aurait pas dû gagner, je pense, mais, mais bien joué, lui. Euh, je vais regarder un peu ça, je pense. Je vais regarder de mon côté. Hop. Bon, je regarde vite fait ce qu'il dit, lui. Bah eh oui, ça, ça a pas l'air de marcher. Ça a pas l'air de marcher, ce qu'il montre là. Parce qu'en fait, même avant, hein, à la place de faire ce coup, il connecte. Et quand je couvre, il a quatre libertés. Sachant que je... Ouais, je sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je, je vais regarder ça de mon côté. Euh... Comment est-ce que je fais On va regarder ça de notre côté. Donc, je vais peut-être faire une transition de scène. A tout de suite. Tac. Donc euh, c'est pas forcément la meilleure euh, scène. Il bon, y a le chat du des lives, mais c'est pas grave. Donc euh, bon, déjà à la fin, qu'est-ce que j'aurais dû faire ici Je pense qu'ici, à la place de jouer ça, je dois couper parce que s'il vient là, je peux aller là. Voir, je peux aller là. Et je pense c'est bon. Hein. S'il connecte, je Je peux faire mon oeil en fait. Parce que s'il descend. Non. Si, je peux faire ça. Et là, maintenant, il doit venir là. Je viens là. Il vient là. Tac. Et c'est bon. Ça, ça passe. Qu'est-ce qu'il a d'autre comme choix Si je viens là. C'est de faire atari Mais là, ça marche pas du tout. Parce que tac, 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 tac. Donc ça, ça ne marche pas du tout. Ouais. Là, ça, c'était la gourmandise, le G14. À la fin. Clairement. Il faut couper. Je comptais que j'avais une liberté de plus. Pourquoi je cherche davantage Sachant que si j'ai, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bon, 25 pierres, on va dire. Ça fait 50 points. Plus les autres points qui sont là tout loin. Hein, c'est largement suffisant, on va dire. L'estimateur dit que je gagne de 70. C'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Mais bon, je retiens que la partie, c'était. Euh, j'ai bien utilisé l'influence, je suis content de ça. Ça, c'est bien. Mais ouais être plus prudent sur la fin mais ça c'est comme d'habitude <laughs> comme d'habitude si crow t'es arrivé jusque là dans la partie euh, tu te reconnaîtras aussi dans ces situations là j'imagine <laughs> euh, hmm. ouais qu'est ce qu'il a d'autre comme solution blanche je regarde peut-être commencer par là dans ce cas mais encore une fois je viens même ici tout simplement et s'il essaie de boucher notre liberté, on vient là. Non, là il peut faire Atari. Donc là il faudrait, s'il bouche, on doit faire l'œil. Et dans ce cas, il boucherait pas, il ferait ça plutôt. Ouais. Donc nous on doit, s'il commence par là, on doit commencer par l'œil. Un œil compte pas d'œil, il essaye d'en faire un. On push. Et en fait, il n'a pas vraiment de solution d'en faire un. Tac, tac, tac. Il ne peut plus bouger. Euh, S'il fait ça, on bloque. Et en fait, ici, on a l'impression qu'il a fait un œil. Mais en fait, Atari. 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 Donc il en a un, mais il perd la course liberté. Euh, quelle autre solution S'il si connecte ici, c'est pour faire le maximum de liberté. Il en a cinq. Hop. Hop. Et le truc c'est que dans le coin on a pas mal de liberté et on peut bloquer. Ok. Donc en fait il n'y avait aucune solution j'ai l'impression. Hein. Donc ouais, il fallait couper. Il fallait couper. Mais est-ce qu'il y a d'autres choix quand quand je vais là, est-ce qu'il y avait vraiment quelque chose qui pouvait marcher Garde son coup suivant, je vais là. Il fait Atari. Ah d'accord, ça marche, il y a droit, mais euh, maintenant il faut euh, voilà. Couper, euh, voilà, il faut revenir. Et ça lui fait juste faire de mauvaises formes, quoi. En soi. Bon, mais euh, c'est gadget, quoi. Ok. On va regarder très vite fait euh, le reste de la partie. Il notamment cette, ce moment-là où j'ai fait une bonne erreur à oui -E, Des petites erreurs par là. Et le début, notamment. Tac, tac. Ici à -E, j'ai pas fait tant que ça d'erreurs. Je viens là. Si ce que je regardais ouais, à ces moments-là, du coup, les séquences c'est s'il descend, je peux pas descendre sinon je me fais recouvrir et les trois pierres sont mortes. Tac tac, j'ai plus que deux libertés donc je peux plus rien faire. Et si je vais là, même histoire, même si y a un Atari qui a une coupe, il capture d'abord. Donc là, je pouvais rien faire, il faut reculer. Euh, il faut reculer. Et ici ouais je... Je sais pas. En fait s'il va là, ça n'a pas l'air de très bien marcher, ça c'est sûr. Mais ça. Je comprends que c'est un peu embêtant de se connecter sur la première ligne. Donc ouais, il a sûrement fait le bon choix. Atari, on connecte. Et là on est assez content. Et oui, le, le graphe le dit, c'est là où on a, on a pris pas mal d'avance. Le graphe est content de l'influence que Noir ait pris. Le graphe. Euh, L'IA. <laughs> Je crois que là c'est en pourcentage, si score c'est là. Ouais, on a pris quelques points en avance. Mais c'est bien, c'est déjà pas mal. On accroche, il vient là, on prend dans la direction qu'on souhaite. Tac, tac. Ça c'est une séquence assez classique et on fait l'extension. Il approche, tac. Donc ici les Joseki dont je vous parlais c'était ça. On vient là, tac, tac. Et là blanc il peut décider de sauter par là par exemple ou de Tenuki. Et le deuxième choix, ce que j'aimais bien par rapport à la situation, c'était de venir là. une fois, c'est ici. Euh, je crois que là, il connecte. On recule. En fait, ce qui était bien, c'est que... Bon, il est très solide. Il fait ce qu'il veut hein, sur l'extérieur. Mais ça donne envie, du coup, euh, de venir... Et effectivement, il a donné pas mal dans le... de points dans le coin. Mais il peut venir embêter par là. Avec des petits doubles et... Selon la direction qu'il veut. Si on va par là, il peut faire ça. Donc ça a l'air sympathique. Je regarde pas plus loin, sinon on a pour un moment. Là, il vient vers le coin. Moi, je m'attendais à euh, soit ça, soit euh, tout simplement prendre son extension, vivre, parce que c'est pas vraiment évident tout de suite pour Noir de venir là et de dire vas-y, rajoute un coup. Donc là, j'aurais sûrement été par là. S'il veut, maintenant, il peut venir là, mais il a sa base de vie un peu plus clair. Alors que là, quand j'ai obtenu moi-même le k 17 pas très agréable pour Blanc, je trouve, sachant qu'il a pas répondu à b17. Hop. Ici il coupe, là c'est un peu la gourmandise je pense de sa part. En plus il va ailleurs, hein. donc là c'est vraiment attaquer, attaquer. Ce que j'avais lu ici c'était ça. Euh, non. Qu'est-ce que j'avais lu Tac, tac. Ouais, il protège ici, mais là j'ai pas le temps de venir là, sinon... Bon en fait ça revient un peu pareil que dans la partie. Hein. Ça revient même carrément la même chose. D'accord, bon. On vient là et j'essaie de tout sauver. Et ici, voilà, c'est ça, c'est ce moment-là où c'est un peu tricky. Je me disais, est-ce que j'ai le temps de venir là Ce qui m'aurait évité pas mal de choses hein, en soi. Même si finalement ce groupe-là on l'a bien attaqué parce qu'il a fait des choix un peu douteux. Mais là, ça. Si je connecte, j'ai l'air mort. Si je sors, qui va là Tac, tac. Je capture. Quoique, Est-ce que ça s'est marché Ça n'a pas l'air. Il a trois libertés, c'est bon, cette fois c'est fini pour, pour Noir. Donc, je capture. Mais il fait Atari, tac. Et non, j'ai cru qu'il y avait un Chichot. C'est là où j'ai lu le Chichot, mais non. Ouais, mauvaise lecture. Hein. Après c'est dur, hein, les captures recaptures, après pour bien analyser, ok là la pierre blanche elle était là, la noire là. Mais ouais là j'avais lu que je me faisais avoir un chiot, j'ai pas vu ce tatari. Et c'est là où je disais ah oh, j'aurais bien aimé avoir une pierre ici parce que effectivement je vous montre. Hop hop. Voilà. Là je disais ah ça marche pour blanc parce qu'on arrive ici, et je disais s'il y avait une pierre noire là, ou même ici, hein, si on avait fait notre année, euh, notre gueule de tigre ici, ça a connecté avec la pierre là. Mais là ça marche pas. Et là je disais ça et du coup c'est pour ça que j'ai pas pour ça que j'ai pas joué une 2. Dommage. Du coup ça nous a affaibli ce groupe-là, on n'a pas pris la base de vie, et du coup il le joue, ce qui est logique. Après bien sûr, euh... il peut jouer par là hein, et il euh, nous attaquer. Mais c'est pas évident pour lui, parce que encore une fois, rien qu'en allant là, et moi je joue pas bien compliqué des hein, nobis. Euh, c'est un qui m'a déchiré pour lui. Donc, encore une fois, il aurait dû s'occuper de ces deux. Et moi, j'avais pas besoin de m'occuper de ça parce que. Quoi, il recule, je peux avancer, je peux aller là. Et euh, je suis vivant. Après, oui. Donc, c'est quand même beaucoup plus simple pour euh, Noir. En plus, encore une fois, ici, il faut réfléchir. Qu'est-ce qui se passe Est-ce que c'est vivant Ok, c'est vivant. Formant 4. C'est limite. Mais euh, ouais, la descente est sainte, mais en soi il répondra, il n'y a, a pas de problème. Ok. Et ok. Donc ici je vais là. J'avais hésité à faire ce coup-là direct, mais... Je sais pas. Tac, tac... Euh non. En fait je me disais... Tac. Et aussi bien, il aurait voulu connecter comme ça, me laisser reconnecter, et dire tout ça, peut-être je pourrais attaquer plus tard. Et quand il vient là, essayer d'englober... De, les pierres là, que j'aurais pas pris le soin de sauver, parce que j'aurais sûrement été là. Et finalement, j'ai un petit gain ici, et lui, euh, ça aurait pu être intéressant. Donc, j'ai pas voulu euh, cette option là. Je me suis dit, on va d'abord faire Atari. Parce que si là maintenant il force ici, quand il coupe, en fait, j'ai quand même un peu plus de gain que tout à l'heure. Donc là, c'était un peu plus intéressant pour moi. Donc, Atari d'abord, et ensuite la forme. Et là, quand il a forcé comme un bourrin, ça marchait pas très bien. <laughs> c'était un peu, ouais, un peu excessif. Là, Katari. on recule de l'autre côté. On peut aller là. On s'appuie encore une fois la même forme, d'ailleurs. Euh, on recule et il essaye de. Ça, c'était une mauvaise séquence vraiment pour lui. Il essaye de tout sauver. On fait un petit Shibori, ce qui est l'essorage. Hop, on recule. Est-ce que le hané marchait J'ai pas osé. Parce que s'il coupe, c'est un peu dangereux. Mais en soi... Est-ce que ça passait Ah oui, ça passait. Pourquoi j'ai pas osé J'ai regardé que la tarie de ce côté, et je me disais, oui, il fuit la 3 libertés. Mais non, pas du tout. Oh, chichou. Ça évite quand même pas mal de problèmes. Hmm. Ouais, tout simplement. Hein. Il y en a qui ont dû se dire dans la partie, mais pourquoi t'as pas joué ça Pourquoi tu Qu'est-ce que tu fais Ok, Effectivement, ça passait. Du coup, Blanc ne peut pas aller là, il va là. Mais là, en fait, arrivé. On peut même s'autoriser celui-là parce que il a pas le temps. J'ai toujours cette liberté-là, donc de liberté, tac. Donc on peut faire double année. Et pff, en fait, ouais, ça, ça confirme vraiment que ce coup-là est très mauvais. n'a pas le temps. En fait, il faut se sauter par là et dire, vas-y, euh... bah, sacrifie intelligemment ces pierres, quoi. On saute et il continue lui aussi quoi. Et euh, se dire euh, je touche pas trop, comme ça il y a peut-être encore un peu d'adji avec ça et on voit quoi. Mais au moins euh, faire respirer ce groupe qui est le plus important. En fait là il a clairement choisi euh, à ce moment-là, jette ces deux pierres, alors qu'à côté il y en a plus de 10 qui sont en danger également. C'est un peu bizarre. Un peu douteux. Mais je sais, hein, c'est pour attaquer ces pierres-là. Mais c'est compliqué. Ensuite. Euh, bon voilà, hein, c'est... Ok, là ça me dit plutôt de sauter directement ici, là ça se tricote un peu, ok. Ok, ok. Parce qu'il peut couper Ah bon Tac. Blanc répond, moi je voyais l'Atari de l'autre côté, mais bon. Noir répond ici, blanc fait un nez, Atari, Atari. Blanc fuit, noir. Tac, tac. Tac. Noir sort ici. Blanc capture ça, Non revient C'est quoi cette séquence compliquée C'est... Ouais. Mais ça revient un peu au même, hein. On attaque ça, et ouais, ça revient au même, en fait. Mais qu'est-ce qui se passait si noir faisait atterrir de ce côté Moi, je lisais ça. On a toujours trois libertés. Blanc est mort, en fait. C'est ça, blanc, il peut pas vraiment forcer là. Et s'il essaie de sortir... Ça a pas l'air de marcher non plus, en fait. On ne pas trop leur séquence. Euh, il se complique la ville, j'ai l'impression. N'hésitez pas à me dire hein, si vous voyez, euh, si je loupe quelque chose ici. S'il si y en a qui sont arrivés jusqu'ici euh, dans la vidéo. Tac. Ouais, et là, bon, il souffre. Hein. Il souffre, il souffre. Hop. Ouais, c'est à ce moment-là, ce coup-là, qui était intelligent de sa part. Euh. Donc, ici, peut-être que je dois reculer. Bah, non, ça revient au même, hein, il aura ça plus tard. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait de mauvais ici Peut-être qu'à la place de ce coup, tout simplement tourner comme ça. Ce qui revient au même, je pourrais faire la taille. Mais après, il a ça, qui me laisse de couper. Euh, non, il est vivant, en fait, si je fais ça. Non, non, il est vivant si je fais ça. Donc, non, non, non c'était. C'est juste, voilà, c'est agressif, c'est pas la meilleure forme, mais au moins, ça dit, euh, t'es mort, quoi. Et ici, est-ce que j'étais vraiment obligé de faire ça avec le, le potentiel qu'il y avait là euh, Imaginons, je vais plutôt ici à ce moment-là. Ou même là. Pour euh, qu'il n'y ait pas de soucis, justement. Il force. Il va là. Soit je peux faire ça. je connecte tout. Est-ce qu'il peut m'embêter S'il si va là, tac. Il ne se passe rien. S'il si va là, tac. Bah ça change rien à la séquence d'habitude. Si on va là, euh, on répond. Bah ça change rien en fait. Hey, j'ai eu peur pour euh, pas grand chose. Ah ça ça marchait vraiment par contre. Il fallait pas répondre à... Il fallait pas répondre à ça. Le E8, comme on disait dans la partie, était euh, inutile. Et du coup je perds un coup. Ah, c'est pas 8 que j'ai fait, c'est euh, G8, mais c'est la même idée. Hum... Ah si, si, je l'ai fait après. Okay. J'ai pas besoin. Bon, je pense que c'est pas mal de faire G8, du coup, pour dire, bon, bah, ok, je, je profite, comme ça, c'est sûr, il a pas de deux yeux ici. Mais là, ouais. Je fais ça et je suis tranquille, en fait. Parce que ça aide ce groupe et c'est là où il y a eu des problèmes tout à l'heure. C'était fini. Ouais, c'est à ce moment-là que ça a été un peu plus compliqué. Bien sûr, on s'en sortait toujours, hein, comme on a vu tout à l'heure. Mais euh, c'est beaucoup plus facile ce chemin-là. Ok, intéressant. Et ici, ce que je regardais à droite, là, je pense qu'on a fini de regarder ça. Hein. Ce que je regardais à droite, à un moment aussi, c'était qu'est-ce qui se passe si, bien sûr, je... il sauve toutes ses pierres. Hein. Mais qu'est-ce qui se passe si je descends là Est-ce que je peux sauver un peu de quelque chose Ou il faut faire ça. Et tout simplement, jouer vais le c'est comme ça. Ouais, peut-être, tout simplement. Parce que ça, c'est peut-être un peu compliqué, parce qu'il a le droit de continuer par là. Ouais, c'est trop compliqué. Oh, je sais pas. Au lieu de capturer là, il fait d'avoir cet Atari. Ouais, non, c est, c est, ça serait idiot de ma part. Non, c'est trop gourmand et je, ça serait effondré. Donc, l'autre séquence. Tout simplement. Plus protégé. Il peut pas vraiment euh, bouger par là, sinon il perd ses pierres. Donc, il est obligé de reculer. On fait ça. Et voilà, un bon. Ou pas, hein, mais. Un bon petit EC. C'est bien. Ça a l'air d'être tout. Donc voilà, euh, merci pour euh, Merci d'avoir visionné jusqu'ici, s'il y en a qui ont fait. J'ai encore une fois oublié de dire vers euh, les 5-10 minutes, euh, n'hésitez pas à aimer la vidéo, c'est bien pour le référencement et à vous abonner à la chaîne. Même si encore une fois je pense que ceux qui sont arrivés là, enfin, moi je suis à 1h30, mais ceux qui sont arrivés là jusqu'à 1h20, 25 bah, c'est des assidus, on va dire. Donc euh, à la prochaine et merci pour votre visionnement. Voilà, je sais pas trop si ça se dit, mais visionnage. Allez, salut